Coucou ma team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors ces derniers temps j'ai pas été très présente, j'en suis désolée. Je recevais ma maman à la maison et entre-temps j'avais aussi la semaine dernière j'avais des jours de formation donc j'ai dû me concentrer là-dessus sur mes formations et sur ma maman qui était présente à la maison. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous m'en voulez pas trop de mon absence. C'est vrai que j'avais déjà prévenu d'ailleurs, hein, j'avais prévenu que je serais plus très présente sur les réseaux sociaux, mais que je ferais des efforts de poster quand même. Mais là, franchement, à gérer la famille et le reste, j'ai pas eu le temps vraiment de poster comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, désolée. Je viens par cette vidéo vous rappeler qu'il vous reste jusqu'à demain, 31 mai. Minuit pour profiter de la promotion de moins 15% sur la boutique. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, revenez vers moi. Et vous pouvez m'écrire directement par la boutique, en passant par la boutique. Vous savez, sur la boutique, il y a un émoticône, c'est ça qu'on dit, un émoticône sourire. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre où vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Vous pouvez exprimer votre besoin. Donc voilà, et je vous répondrai très rapidement. Voilà les amis, n'hésitez pas à passer vos commandes, profitez de la promotion de moins 15%, c'est encore valable jusqu'à demain, 31 mai minuit. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, voilà, pour vous rappeler cela. Et je vous rappelle également que vous profitez toujours des frais d'envoi offerts à partir de 50 euros d'achat. Ok, et d'un cadeau offert, un bijou offert dans chacune de vos commandes. Ces derniers temps, j'ai vraiment été très 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 prise. Hein. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de recevoir chez moi. Et quand je reçois, j'aime bien prendre le temps de profiter de mes proches parce que je les vois pas souvent, je les vois pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est pas pareil que de voir la personne en vrai. Donc voilà. J'espère que tout se passe bien de votre côté. En tout cas, j'attends vos commandes. Et n'oubliez pas que la boutique sera fermée à partir du 5 juin. Et une fois que j'aurai mis en place tout ce que j'envisage de mettre en place sur la boutique, je vous annoncerai la prochaine réouverture de la boutique. Pour l'instant, je la fermerai le 5 juin. Et ça prendra un peu de temps. Ça prendra un peu de temps pour que je puisse la réouvrir. Je réfléchis sur des projets, voilà. Je réfléchis sur des projets à mettre en place et puis je vous reviens très vite. Mais on reste connecté, hein. On reste quand même connecté. Même si je suis plus très très présente sur les réseaux, je ferai quand même en sorte de temps en temps de vous de faire des lives quand je peux et aussi de poster des vidéos. Ok, je vous montrerai quand même au fur et à mesure l'évolution de ce que je fais, de tout ce que je fais. Et tout ce que j'ai envie de montrer sur le moment, ok? Parce que je vais pas tout vous montrer tout de suite. Je pense que pour le projet sur lequel j'envisage travailler là, le projet sur lequel je vais me lancer là, je vais pas vous en parler tout de suite. Dès que possible, dès que je le sens, je vous en dirai plus. Mais pour l'instant, je vais juste fermer la boutique et puis je vous reviens. Je reste connectée avec vous, mais je vous dirai. Dans tous les cas, pour finir, vous le saurez. Vous le saurez parce que ça vous concerne aussi et j'aurai besoin de vos soutiens. Donc voilà. Dans tous les cas, vous le saurez à un moment donné. Donc vous inquiétez pas du tout. C'est juste que je vais prendre un peu de temps de travailler là-dessus et après je vous en parlerai. Ok les amis? Donc vous inquiétez pas du tout. Tout va bien. Tout va bien. J'ai pas à me plaindre. Ok? J'ai pas à me plaindre. C'est vrai que les choses ne se passent pas toujours comme j'avais souhaité. Mais ça va aller. Je pense que ça va aller. Je suis un enfant de Dieu et Dieu met toujours la main sur les projets de ses enfants. Si c'est fait avec le cœur et c'est fait avec passion comme je le fais, je pense que Dieu mettra la main. Peu importe le moment, ça va aller. Donc voilà. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, restons connectés ensemble et puis n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mes vidéos actuellement, il y a sur mes vidéos, mes dernières vidéos, vous avez certainement remarqué qu'il y a un QR code. Un QR code que je mets dans la vidéo. C'est un le QR code d'accès à ma boutique en ligne. J'attendais de travailler dessus, de le finaliser avant de pouvoir commander mes cartes de visite parce que
Je sais que c'est à la mode en ce moment et les gens préfèrent scanner le QR code que d'aller taper dans la barre de recherche le nom de la boutique pour aller chercher ou alors cliquer sur le lien qui est dans la bio. Je me suis rendu compte que c'est très difficile pour certaines personnes. Donc j'ai travaillé sur un QR code que j'ai personnalisé pour ma boutique du coup. Lorsque vous le scannez, mon QR code, ça vous amène directement dans la boutique. Donc n'hésitez pas. Là, du coup, vu que ça a déjà été créé, je vais désormais lancer l'impression de mes cartes de visite et vous les verrez dans les vidéos. En attendant, le temps que vous vous familiarisez avec ça, c'est le tout nouveau, c'est tout nouveau quoi dans la boutique. C'est notre petite nouveauté quoi, je veux dire. C'est notre petite nouveauté et j'espère que ça vous plaira. J'espère que d'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que je vais la mettre dans cette vidéo également pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Donc, si pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il y avait un QR code dans mes récentes vidéos, c'est ça. Du coup, comme c'est là, je vais devoir lancer les impressions de mes cartes de visite. Voilà les amis. D'ailleurs, je les ai déjà imprimées à la maison pour pouvoir coller sur les. Je vais vous montrer, j'arrive. D'ailleurs, ils sont déjà imprimés, comme je vous disais, vous voyez, ça c'est mon QR code que j'ai personnalisé. Et c'est personnalisé avec mon petit logo à l'intérieur. Donc voilà. Vous verrez ça dans mes vidéos. Parce que je souhaite que vous vous familiarisez avec. Et puis voilà, qu'on se familiarise tous avec. Hein. Et puis, pour ceux qui vont passer les commandes, vous verrez ça sur vos colis. Et sur la carte de visite. Voilà, c'était tout. C'est la petite nouveauté de. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre présence. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Je vous embrasse fort. Bisous. Bye bye.